Le dimanche 16 août est sorti justement le Dragon Ball Show. C'est justement, c'était littéralement hier. La vidéo, normalement, elle sort aujourd'hui même. Et justement, pendant une heure et demie, vraiment d'annonces de tournois et des trucs comme ça qui étaient vraiment, je vais pas le cacher, qui étaient vraiment très chiants. Il y a eu enfin ce que tout le monde attendait, c'est littéralement le prochain personnage ou les prochains personnages DLC sur la saison 3 de Dragon Ball FighterZ. Et le personnage qui a été annoncé, comme beaucoup l'attendaient à chaque fois, et comme l'a prouvé aussi, il y a eu certains leaks, bah au final c'est Master Roshi. Tout simplement. Alors, déjà, il y a plusieurs points à dire sur ça. C'est que, j'avoue, à part le personnage, que j'adore vraiment, et je suis impatient de mettre mes mains dessus, mais c'est ça le truc, je suis impatient de mettre mes mains dessus. C'est que, l'annonce, c'est que le personnage sort en septembre. Et en plus, il n'y a même pas de date exacte. C'est-à-dire que on ne sait pas s'il sort en début septembre, ça pourrait être le 2, comme ça pourrait être le 20 septembre. Donc là, sur ce coup-là, on ne sait pas trop. Et c'est là qu'on voit à quel point le coronavirus a vraiment tout bouleversé dans le milieu du jeu vidéo. C'est que tout a été retardé et les jeux de combat ont été touchés aussi. C'est que tous les personnages généralement ont été décalés, alors que là on pourrait s'attendre. Je pense que le personnage devait normalement sortir en août, même début août. L'annonce est à peine, genre le trailer dit ouais déjà disponible ou disponible dans 2 jours ou une connerie comme ça, comme ils avaient fait pour Setsuka. Pour Soul Calibur 6, sauf que là, justement, se dire « Ah, faut encore attendre jusqu'à septembre pour toucher le prochain personnage de DBZ », j'avoue que ça pique. Ça pique assez fortement. Mais en plus, il en reste 2, qu'est-ce qu'ils vont faire? Sachant qu'en plus, le trailer, le personnage, je suis pas déçu. Mais le trailer en soi, il est un peu décevant. Quand on regarde bien, il n'y a même pas 4 à 5 secondes de gameplay. C'est juste, on voit le sûrement c'est l'ultra avec le Mafumba, mais on voit rien de ce qu'il peut faire. Tous les autres trailers en général dans DBZ, ça a toujours été un trailer où tu vois, ok, un trailer très court, mais où tu pouvais un peu voir ce qu'il faisait et te mettre à l'eau à la bouche. Là, t'as vraiment rien, tu vois juste sauter. Donc sur ce coup-là, je pense pas qu'ils vont mettre un autre trailer avant sa sortie. Ou peut-être, je sais pas, il faudra peut-être surveiller le Twitter officiel de Bandai Namco pour voir s'ils vont sortir des trucs en plus. Mais sur ce coup-là, je pense vraiment qu'il faudra attendre la sortie pour en savoir plus. Bon, en tout cas, c'était tout ce qu'il fallait retirer de ce show. Enfin, je pense, hein. De toute façon, j'ai pas tout regardé. Il y a un moment, j'ai complètement déconnecté, j'ai attendu la fin. Mais voilà, c'était le... Impatient. C'est impatient pour ce nouveau personnage. C'était le nouveau personnage... de DBZ et c'est vraiment, comme je l'ai dit, complètement impatient de l'essayer. Allez, sur ce...